to big festival. Voilà, les bases, les bases du surf, c'est de vivre la mer comme la continuité de son corps déjà. Ça veut dire que je vais faire venir le parrain de la compète de surf qui est Tim Ball, qui est un mec absolument fantastique, qui est surfeur et DJ, et qui a une personnalité incroyable. Donc le postulat de départ, c'est vraiment que la mer est la continuité de ton corps, et quand le principe du surf, c'est de vivre dans le surf. Ça veut dire que le mec qui va bosser toute la semaine et qui finit par aller surfer, ça c'est pas surf. Donc ouais, le mec doit venir habiter ici, voilà. Il doit trouver un boulot qui lui permette de surfer quand même. Donc c'est une philosophie, un art de vivre. Il faut que ta vie farte un peu maximum quoi. Ta vie farte, ouais. Tu fais farter ta vie. C'est ça le principe. Il y a des blagues qui plaisent pas aux surfeurs, va falloir faire gaffe aussi. Et l'autre principe du surfeur, c'est qu'il est généralement balèze. Il est balèze. Ah merde, bon bah. Il y a une culture fight. On m'a dit à Biarritz, faut pas chercher les mecs, ils tapent direct. Non, c'est dans l'eau surtout que c'est fight. D'accord. C'est-à-dire que tu vas pas surfer des vagues où t'es pas attendu quoi. D'accord. Les mecs qui t'empêchent de prendre les vagues et tout. C'est le côté un peu Kaira du surfeur quoi. Ouais, c'est le côté rue, hein. Il y a un côté rue surf pareil, sauf qu'on peut dompter la rue, même, si tu veux casser un mur avec ton front, tu n'y arriveras pas, tu veux casser une vague avec ton front, tu n'y arriveras pas. Donc il y a des parallèles à faire, on va essayer de rentrer progressivement dans cette rue. Après, Biarritz, c'est pas que le surf non plus. D'accord. Hein, faut...